monde, c'est Titi, j'espère que vous allez bien comme moi, ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FIFA 17 Ultimate Team, dans laquelle nous allons débuter une toute nouvelle série. Donc les gars, je vous explique, et comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo, elle se nomme Voleur de Pack Opening. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, on va rien voler du tout, c'est pour donner un avant-goût tout simplement. Et je vous explique en quoi ça consiste vite fait. Donc dans chaque épisode de cette série, on va faire 2 matchs en saison sur Ultimate Team. Si je perds, je n'ouvre pas de pack. Si je fais une égalité, j'ouvre un pack premium argent. Si je gagne, j'ouvre un pack en or. Et si je fais rage quitte le mec, si il ne joue plus, ou si je gagne à plus de 3-0, j'ouvre un pack tout simplement or premium. Donc les gars, j'espère que ça va vous plaire, c'est un petit concept que j'ai mis sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. On est là pour s'amuser, on est là pour jouer. Donc j'espère que vous allez prendre du plaisir. En tout cas, moi, je vais kiffer de faire cet épisode avec vous et cette série. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un petit like, de me le dire dans les commentaires pour que je puisse refaire un deuxième épisode. Et c'est parti les gars, on se retrouve à la fin du match pour voir tout simplement si on a gagné ou on a perdu. On va juste voir la petite équipe qu'on aura en face. J'ai toujours la même équipe, série 1, Niang, Immobilier, Baka. Voilà, je joue avec 3 attaquants: El Sharawi, Medel, Perisic. En défense, Evra, Lichtsteiner, Koulibaly, Benassia. Et en défense, Angol, nous avons Consigli. C'est parti. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi encore une fois à me qualifier pour FUT Champions, mais en même temps, j'ai essayé coup de 2 fois. Ok, les gars, en face, nous avons une série, une BBVA, Rakitic, Varane, Vidal, Vela, Gamero, Nani, ah ouais, Ter Stegen, je l'ai dit, putain, je sais pas, Andrea Gomez. On va souffrir, on va voir ce que ça va donner. Et les gars, moi, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà les gars, désormais le match est terminé. Juste une chose, but. Il y a eu 36 milliards de buts dans ce match. Je pense que c'est le match où il y a eu plus de buts dans ma carrière de Ultimate Team de tous les temps sur FIFA. Franchement, vous allez voir, c'est un match d'ouf. Il y a eu tellement de buts que ils y sont même pas dans le moment fort. Il n'y a même pas tous les buts dans les moments forts, vous imaginez? Parce que dans les moments forts, on peut montrer que 6 ou 7 actions, il n'y a eu même pas la place de mettre tous les buts, vous imaginez? Donc malheureusement, je peux pas vous montrer toutes les belles occasions et tous les buts de ce match. Je peux vous dire que jusqu'à la fin, j'ai eu très très peur, mais c'est mérité. Je vous montre tout ça avec les moments forts. Dans 4ème minute, mon adversaire ouvre le score à travers Donani. Franchement, bien joué, contre-attaque, voilà. Sa première occasion, tout simplement, il a réussi à la marquer. Donc je me suis dit, aïe, est-ce qu'il serait pas très très bon? J'ai eu un petit peu peur. Beau but en tout cas, belle action de mon adversaire, mais bon. Après, il n'y a rien de beau chez moi. Enfin voilà, ça m'aide pas beaucoup pour, voilà, pour ma série. Voilà, donc tout simplement, moi, juste après, j'ai réussi à égaliser avec Immobilier. Ils ne sont pas les buts, hein, malheureusement. Mais je vous explique, j'ai réussi à égaliser 5 minutes après avec Immobilier. Ensuite, 10 minutes plus tard, il remarque un but avec à travers Nani, me semble, encore une fois. Et j'arrive encore une fois de plus, 5 minutes après, son deuxième but, marquer un autre but. Voilà, ça fait beaucoup de buts, mais bon. Ensuite, j'arrive à marquer un troisième but. Donc pour la première fois du match, j'arrive à prendre l'avantage. Donc les gars, je vous laisse regarder avec Carlos Bacca, 34e minute. Très très belle passe, je l'ai vu. Il tire, le goal arrête. Et, j'arrive à la reprendre. Et c'est un beau but. Un peu chanceux, mais un beau but. En tout cas, belle passe. C'est surtout la passe qui a été le centre de tout, parce que s'il n'y avait pas eu cette passe, mais il n'y aurait pas eu de but. Mais en tout cas, bien joué à mon équipe, je suis assez content, parce que première fois, je me dis, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit pas qui se cacherait après ce match? Bon, c'est pas terminé, vous allez voir. Donc il n'y a pas cette action, mais il y a eu un pénalty la 45e minute. Pour moi, du coup, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait marquer un 4ème but? On prendrait l'avantage de 2 buts, on pourrait peut-être le faire rage-quit, etc. Et il a eu un carton rouge. Du coup, son défenseur droit, le défenseur de Barça, a eu un carton rouge. Mais je n'arrive pas à marquer le but, malheureusement. Et il fait une contre-attaque avec Kevin Gamero.
Et tout simplement, regardez, je fais une très très mauvaise passe. Il fait une contre-attaque, je récupère la balle, je lui repasse la balle. Et lui, tout simplement, il fait une très très belle frappe avec Kevin Gamero. Et qui passe à côté de Mongol. Et malheureusement, il y a eu 3-3. Il revient le petit. Mais c'est pas terminé. Encore une fois, 45e minute. Du coup, c'est toujours dans le temps extra. Là, il y a encore une fois une petite contre-attaque vu que j'ai attaqué. Voilà, tout simplement. Et il lobe mon gardien. Malheureusement, j'ai sorti mon gardien pour voir voilà s'il savait lober, etc. Et il lobe, du coup, ben, 4-3. Juste avant la mi-temps, je me dis, quick. Aïe, aïe. Ça fait très, très mal si j'avais marqué mon péno. Ça fait très, très mal. Mais. 89e minute, vous imaginez, une minute avant la fin du match. Du coup, la deuxième période, je le dominais, mais abusé de la tête aux pieds. Mais regardez ce qui se passe avec Stéphane El Shaarawy. Nyang qui fait une magnifique passe. Là, je me dis, est-ce que je vais l'avoir? El Shaarawy qui tire et qui marque. C'est l'égalisation à la 89e minute. Là, je suis extrêmement content, je suis reboosté. Je me dis, au moins, il y aura un petit pack. Et c'est pas terminé. 90e minute. Alors, il y a eu 2 minutes. Davantage, moi je pense qu'il y a eu au moins 5 minutes qui sont passées, mais le mec il laissait les actions, c'est pas pourquoi. Il a laissé, j'ai dribblé son défenseur, j'étais tout seul contre le goal, il sort son goal, petit lob, et c'est le but de 5-4, ce qui nous permet d'ouvrir un coffre en or. Malheureusement, je ne l'ai pas fait rage kit, mais c'est pas grave, c'est le coffre en or. Coffre en or, pourquoi je dis coffre? Parce que je joue beaucoup à Clash Royale, du coup voilà, je suis un peu obsédé, enfin parce que là-bas on offre des coffres, mais là c'est des packs, mon pack. Donc le premier pack or, ça fait extrêmement plaisir, mais il va avoir un deuxième match et on se retrouve tout de suite tout simplement pour le deuxième match. À tout à l'heure. Et les gars, c'est parti pour le deuxième match. Je joue contre SC Cosigno. Pourquoi il fait des changements, j'en sais rien. En tout cas, moi je repars avec la même compo, avec un petit 4-3-1-2. On va essayer de regagner pour pouvoir ouvrir deux packs. Mais je pense que vous êtes la majorité d'entre vous ici pour les packs. Hein. Vous n'êtes pas là forcément pour me regarder jouer. Il y a plein d'autres youtubeurs qui jouent largement mieux que moi. Mais les gars, moi je vais essayer de faire mon mieux. Et on se retrouve tout de suite à la fin du match. Et voilà, le deuxième match est terminé. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme le premier match. Il a été plus fort malgré que j'ai raté des grosses occasions. Il a gagné 4-1. Voilà, en fait, il a eu en tout 5-6 occasions. Il les a réalisées. GG à lui. On va pas ouvrir de pack pour ce match, mais on va ouvrir quand même un pack or pour le premier qu'on a gagné 5-4. Donc vous allez voir, je vais juste vous montrer les buts parce qu'il y a beaucoup d'occasions. Donc Cédric Bakambu, franchement, c'est une tuerie le mec. Là, franchement, mes dégagements, c'est dégueulasse. Regardez mes dégagements juste. Bon là, il trouve les filons en fait. Il met une mitase en lucarne, on peut strictement rien faire. Mais bon, c'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. Je peux pas dire que voilà, il a eu de la chance ou quelque chose. C'est de ma faute, j'ai tellement mal dégagé que... Bon, je l'ai fait 2 ou 3 fois dans le match. Je suis assez deg parce que ça m'a causé la défaite. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, deuxième but à la 41e minute, juste avant la mi-temps. Bon, ce but, il m'a mis KO. Hein. Raphaël Varane, voilà, la chance. Là, on peut dire qu'il a eu de la chance. Parce que voilà, le corner, très beau corner tiré. Je peux rien faire, en fait, tout simplement. Je ne peux tout simplement rien faire. Mon joueur essayait de la dégager, mais bon, elle était déjà dans les cages. Beau corner, mais bon. Voilà, c'est dommage parce que je peux rien faire, en fait, tout simplement. Bon, Varane, en même temps, il est grand, il est physique, il est très très bon, c'est le capitaine en plus, du coup, bon. Voilà, c'est 2-0 à la mi-temps, bon, voilà, je peux rien dire. Hein. Ensuite, 55e minute, 3-0 pour lui, du coup, voilà, là, je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Carlos Vela, ouais, très très rapide, le mec, il doit avoir 90 de vitesse. Regardez comment il fait. Voilà, c'est encore une fois de ma faute, mais bon, de toute façon, après le 2-0, je me suis dit, bon... Je suis KO, ça sert pas à grand chose, mais bon. Voilà. Je dis beaucoup de bon, mais c'est bon. Voilà, il est très rapide. Si vous jouez avec une BBVA ou si vous cherchez un attaquant droit, prenez Carlos Vela, franchement, c'est une tuerie. Ensuite, pour l'honneur, Mbaye Niang. Voilà, j'arrive tout de même à marquer le but et à trouver le chemin des filets. Voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais j'arrive, voilà, à me faire plaisir. Et
89e minute, bon là je me suis vraiment, il a mis une contre-attaque en fait parce que j'avais tout mis devant, j'avais 2-3 tirs d'affilée, le Songol il avait tout sauvé et malheureusement tout simplement il a fait une contre-attaque. Bakambu aussi un attaquant atroce, atroce le mec, il est chaud mais je sais pas ce qu'on, peut-être qu'on l'a dopé juste avant, je sais pas quoi, mais en tout cas c'est pas grave, il y a aussi des matchs comme ça, mais on se retrouve tout de suite pour le pack, j'espère que pack opening ouais, d'impact, mais c'est déjà ça. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est mon premier pack opening sur le jeu. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Et voilà les gars, on arrive pour notre petit pack. Il y a des packs en promo. 25 000. Ah oui, j'ai même pas attends. Ah oui, c'est quoi ça? Bon, on s'en fiche. Du coup, on va prendre un petit pack or. Vous savez quoi? On va faire le fou. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je sais pas si vous êtes beaucoup. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. On va ouvrir un pack premium or. Voilà. Pour ce premier épisode, on a fait un match de ouf. Du coup, on va ouvrir un pack premium or. C'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, pour les plus solidaires. Et dites-moi si vous êtes restés jusqu'à la fin. Dites-le dans les commentaires. Comme ça, je sais au moins si vous êtes actif. J'ai 17 000 de crédit, 7 500 de crédit qui partent. Mais c'est pour vous. C'est pour vous. C'est parti, mon premier pack. Mon premier pack, qu'est-ce qui va se passer? Une petite rare. Ah oui, il y a déjà des rats. Ah, même pas. D'accord. Berg. Bon, Berg, c'est pas mal. 80 quand même. Et ça devrait être une rare. Mais non, pas du tout. Enfin, une rare. On a Chop. On a Molinaro. Défenseur latéral gauche, italien. Ça pourrait peut-être m'être utile. J'ai des contrats, ça me fait plaisir. Ok, j'ai un écusson. J'ai un écusson et j'ai une tenue. Oh, stylé, peut-être que je la mettrai. Bon, voilà, c'est mon premier pack. Je découvre. C'est assez stylé. Forme, oh les formes, ça fait plaisir parce qu'on donne tellement de crédit pour en acheter, alors ça fait plaisir. Bon, j'ai que 3 joueurs, bon c'est déjà bien. Berg, c'est un bon attaquant, il joue à Panathinaikos. Bon, je pense pas que ça va vraiment m'aider en tant que collectif, mais bon, après peut-être que je le mettrai dans quelques matchs. Je pourrais peut-être vous le présenter, mais j'espère vraiment que ça vous plaît. Oh, j'ai pas envie de te revendre. Voilà, c'était pour vous, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on va tout envoyer au club. Et moi, je vous dis... Ciao, ciao.